Allez. On va essayer de faire le boss. J'ai pas vu à quoi il ressemblait, mais je sais qu'il y a un boss parce que je peux invoquer. Alors là, je vais éviter les ennemis. Comme ça, ça me permettra de voir si c'est possible. Donc là, évidemment, les chiens. Le chien me suit. Là, je pense qu'il a arrêté. Donc là, là, ce qui brille, là, c'est pour invoquer. C'est ça qui me fait penser qu'il y a un boss ici. On va voir ça. C'est, ça c'était le boss de la démo, mais je l'ai pas fait dans la démo. Forcément. Mince, j'aurais pas dû reculer. Buffer mon arme. Oh, je sais pas esquiver. Oh. Ah mince, je l'ai pas exécuté, j'ai été un peu trop gourmand. Ah mince. Ah ouais, ah il y a le sol. Oh, j'ai pas esquivé ça, sérieusement.
Vraiment, j'ai plus de... Ah, attention, voilà, on se pousse de là. Oh putain. Non. Non, il m'a chopé. Bon, c'est mort. Putain. Il est brutal. Hein. Bon, ok. Donc là, j'ai fait une combinaison. Je peux assembler les armes. Donc j'ai mis la garde de la rapière, mais avec le bout du gourdin électrique, quoi, parce que il fait plus de dégâts. Alors j'ai évidemment pas du tout fait attention aux dégâts, hein, que j'ai fait. Alors ça, il faut que je la signe, ça. Ça, il faut que je la signe, du coup. Alors là, ça, vu que j'en ai pas, hop, on va le mettre pour réparer l'arme immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin encore? Ouais, ça pour buffer l'arme. Ouais, lui j'en ai qu'un seul. Faudrait que j'utilise à bon escient. Ça c'est pour buffer l'arme. Ouais, je peux m'en acheter au pire, mais bon. Allez, je vais retourner comme ça. Donc ça c'était le boss qui était dans la démo, mais je l'ai pas affronté. Je suis pas allé jusque là dans la démo. Alors s'il y avait vraiment tout ça dans la démo, je trouve que c'est beaucoup, hein, parce que ça fait en tout 3 boss. Hein. Donc j'étais volontairement pas allé jusqu'au bout de la démo pour pas me spoil entre guillemets. Bon. Alors ça c'est bien qu'il redonne l'ergo avant le boss. Hein. Ça c'est bien ça. C'est beaucoup plus logique. J'arrive pas à esquiver cette attaque. J'ai pas esquivé. Non, j'arrive pas à esquiver. Hein. Donc il faut vraiment que je recule, quoi, en fait. Ah non, non, attends. Là, c'est pas bon du tout. Oh putain, il m'a chopé de l'autre bout. Là, il va faire son truc rouge. Voilà, c'est bon, là j'ai réussi à la parer au dernier moment. Elle est facile à parer. Oh. J'arrive à rien. Non, là c'est pas bon. Alors là, j'essaye de faire gaffe à combien je lui fais de dégâts, parce qu'il faut que je compare avec la rapière. Ah putain. Non. Là, j'y étais pas. Ouais, bon, vas-y, tue-moi, laisse tomber. Là, ce combat-là, je n'y étais pas du tout, j'ai tout raté.
Tout raté. Alors j'ai vu une attaque chargée, je faisais dans 200, 232. Ah ouais, bah oui, bah du coup il faut que je réassemble une arme, alors attends. Faut que je réassemble. Hop. Alors, on va prendre la rapière et la poignée. Voilà, c'est la poignée de la rapière. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ma rapière qui a plus 2. Alors, si c'est ça, là pour le coup, je veux bien essayer de buffer l'arme. Mais ce sera vraiment à la toute fin, quoi. Alors, attends, je vais faire les choses à fond. Et je vais mettre aussi. Ah ben non, c'est la même, c'est celle-ci. D'accord. Ok, d'accord, ok. J'avais pas compris. Je crois que c'était un truc différent. Ok. Et là, je prends ma rapière. Ok. Donc faut que je compare les dégâts parce que la rapière elle touche un peu plus loin quand même. Mais bon, je pense que la rapière fait évidemment moins de dégâts hein, que le gourdin. Parce que là, les dégâts électriques en plus, ça compte. Hein. Donc là, on voit qu'ils ont mis pas mal d'ennemis avant le boss. À mon avis, c'est pour éventuellement farmer. Pour ceux qui ont vraiment du mal et qui veulent prendre du niveau avant d'affronter le boss, en fait, hein, ça permet de farmer. C'est plutôt intelligent, en fait. Hein. Merde. Pas. Oh, je sais pas ce qui fait ça, putain. Oh non, non, non. Ça fait quoi si je fais ça? Donc lui, je pense qu'il faut que je prenne le bras Légion. Putain, mais j'esquive pas ça. Oh non, là j'ai été troublé par sa barre, oh là là, non. Calme-toi Billy, là j'ai loupé le... J'ai vraiment un problème avec les esquives dans le jeu. Hein. Je sais pas ici, j'ai pas mis ma garde.
Ah, il m'a chopé. Bon, vas-y, ok. Bon, en tout cas, j'ai la réponse à ma question. Avec la rapière, j'ai l'impression que même que je fais même plus de dégâts qu'avec le gourdin. Hein, En tout cas, je vais préférer la rapière. Elle est plus légère et elle me permet de toucher un tout petit peu plus loin. Par contre, j'ai un gros problème avec les esquives dans ce jeu. J'ai l'impression qu'elles ont soit elles ont un timing particulier, soit c'est le fait qu'il fait pas de vraies esquives, quoi. C'est plutôt des pas de côté. Tu vois, si tu prends par exemple dans God of War Ragnarok, t'as les deux, t'as les esquives et t'as les pas de côté. Donc quand t'appuies sur croix, c'est une simple petite esquive, et quand t'appuies deux fois sur croix, c'est une vraie roulade, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une esquive, c'est plutôt des pas de côté. Mais c'est pas un cancel en fait, j'ai l'impression. Là, tu vois, ça j'aurais dû l'esquiver. J'avais plus d'endurance. Enfin... Stopper. Bon, j'ai plus d'endurance là encore. Voilà, je l'ai eu. Oh, j'ai pas mis ma garde. J'ai mis où? Merde. Voilà, 256 dans la gueule. Oh, j'ai pas mis ma garde.
crève. Allez, crève. Voilà, allez, succès. 15G, veilleur désarticulé, et ça mérite un petit po. Voilà. Sans invoque, mon gars. Alors, faudrait que je teste l'invoque, quand même, pour voir ce que ça donne. Bon, évidemment, j'ai galéré, mais au final, Marie à Pierre, alors, j'ai pas... C'est vrai que... J'ai pas regardé en détail les stats. Ah ouais, ben là, je l'ai pas, là. Ouais, bah oui. Ouais, il faut que je creuse un peu plus sur ça. Il faut que je fasse un peu plus attention aux stats. Mais bon, j'ai tout le temps pour ça. En plus, là, j'ai looté des choses qui ont l'air pas mal, là, comme cet Ergorar, tu vois, qui me donne 5000 que je vais utiliser maintenant. Voilà. J'ai gagné quoi encore? Donc, j'ai gagné du quartz. Donc, l'organe P, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ça. Alors, ça, c'est bien. Pierre de lune cachée, ça va me permettre d'augmenter ma rapière. Ah, ça, c'est pour le bras légion, ça. Et c'est ça pour invoquer. C'est ça, les fragments. Ok, donc ça c'est du passif, c'est du bonus passif. Là il faut que j'aille voir, j'ai oublié comment elle s'appelle, hein, l'armurière. Une main, ouais. Et j'ai débloqué ainsi un nouvel, il me semble avoir vu, non? J'ai pas vu un nouvel, non, il n'y a pas le truc là, d'accord. Donc là c'est le troisième boss du jeu. Mais c'est le premier gros boss, en fait. Hein. Ok, bon ben super. Satisfait, évidemment j'ai galéré, mais c'est tout à fait normal, mais je suis satisfait. A noter que là, pour le coup, contre un gros ennemi comme ça, le fil de marionnette sert à rien. Donc à l'avenir, quand j'aurai un gros boss à affronter, faudrait que je prenne le bras légion qui met des patates, voilà, pour faire des dégâts. Donc il y a encore pas mal de petites choses comme ça à optimiser. Il y a encore une ou deux petites choses dans le jeu que soit je comprends pas bien ou que je maîtrise pas bien, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est ça un Souls-like, hein. C'est toujours beaucoup de marge de progression. Mais en tout cas, le jeu est là. Le jeu est là.